Amis tuafistes, bonjour, bienvenue à nos émissions Les Spécialistes du Teuf, le débrief de la 16e journée. Beaucoup quixeuse inarrivée et après l'enquête ban commissaire, il y en a beaucoup quixeuse qui nous vous racontent. Bien sûr, pour raconter ça bien en détail, bien sûr, à côté, Nitin l'écrase. Bonjour Nitin. Bonjour Patrice. Tu ferais ça grand matin là, qui veut dire, Dine? Bien, frère, évidemment, pour lui, moi, je veux dire. Moi, je veux bon, je ne peux pas plaindre parce qu'il y a un camarade qui est sur le grand matin, évidemment. C'est moi avec moi. La route sur l'appli. Non, ça m'est moi avec moi. Vous pouvez plaindre, vous pouvez plaindre, frère, qui a pu. Et nous avons un collègue qui disait Al Floréal. Ouais. Enfin, une sorte Floréal. Une sorte Floréal, maintenant. Et il y a un bon travail dans Floréal. Tous les jours. Bon, pas trop plein. Non, mais ils sont où la couvre, tu peux faire un peu frais dans les jours. Mais c'est moi vraiment qui peux faire un peu frais. Mais dites, nous réunissons ça 16e journée. Beaucoup de choses n'arrivent pas. Oui, c'est tout dans deuxième course que fini dans trois jockeys qui finissent suspendus. Quand c'était une course de Devani Pirigan Cup. Mais finit également la belle victoire de Alshiba dans les Winter Stakes. C'est une véritable démonstration. Ce qui est de bon augure en vue du Médène. Nous vous causons aussi 200e victoire de Swapnil Rahman, nous vous causons Kigov Tara qui fait la passe de 3, nous vous causons aussi Rai Durawan qui nous retrouve le sourire et aussi feuille de route pour Richard Oliver malheureusement, mais nous n'étions pas vraiment libres malheureusement. Après, nous vous causons les courses principales de la prochaine journée. Mais, à tout seigneur, tout honneur. Ouais. Nous vous causons, bien sûr, nous vous commençons avec la victoire, la très belle victoire de Alshiba. Nitin, nous avons fait Alshiba, nous avons fait Lima, c'est dans Padok, il est parti au top. Et Meden, qu'est-ce que ça? Dis le 16 ça? Non, qu'est-ce que ça? L'objectif sur l'entraîneur, ce n'est pas Winter Stakes. C'est déjà qu'il réalise une jolie course dans le Barbie, quand il est sur le 3e d'ailleurs. Undercover agent et tu sors en fait, alors qu'il est parti 100%. En fait, il n'est pas encore 100% jusqu'à l'air, mais c'est là pendant Pesli, gagne les courses avec beaucoup de facilité samedi. Et certainement qu'il peut continuer à progresser après ça, les courses. Souvent, l'entraîneur a le choix pour faire les Gallup Golden Trophy, dernière course préparatoire avant Médène, le 3 septembre prochain. Mais il est capable également de ne pas galoper, il vient dire au micro de Jean-Philippe samedi et il vient directement dans le Médène. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'évale là, à ce stade, parmi les sévales qu'il a affronté dans les courses là samedi, donc c'est probablement sa Ban Séval là même qu'il vous retrouve dans se sumer dans Médène. À ce stade, c'est probablement les sévales là, il y a encore une marge de progression. Ce qui n'est peut-être pas le cas pour la plupart de ses adversaires. On va faire confiance, Ricky Mingo, pour Médène. Bien sûr. Top pour Médène. Ouais. Et bon, nous vous pensez que c'est sa classe, sa qualité naturelle, sa valeur qui peut faire lui. Galoup, ça m'a les courses là. Défendu aussi brillamment, gagne les courses samedi, alors qu'il. Il n'est pas encore au top, il galope les courses Barbie. Sur l'entraîneur, visiblement, tu peux devenir un run, ça joue là, il finit 3e dans les courses. Hein. Ouais. C'est sur classe naturelle, c'est un séval quand même. Patrice, ne nous a pas oublié. Bon, il bat White River quand même. Ça même grand séval. Il dire où là, il bat. Il bat pas battre, c'est une battre qu'on dirait. White River, White River, tu blesses. Mais c'est moi, si vous êtes avant ça, quand White River est à son top. C'est un séval qui peut terminer deuxième d'ailleurs Wide River dans les Médènes précédents. Mais il battit encore au top à l'époque là aussi. Probablement il progressait. Probablement il progressait, Patrice. Parce que je pensais, ben, l'année précédente, quand il est parti à son top, il est capable, il est parti pour gagner Winter Stakes, sur ma ligne gagnée semaine dernière. Mais définitivement qu'il a progressé par rapport à l'année dernière. S'il continue comme ça, s'il est à moi, écoute, c'est groupé à moi là, est-ce qu'il vraiment même pour une simple formalité pour Médène? Bon. Et quand même, nous vous avons fait. Nous voyons que ça, l'année dernière, nous, tu pensais White River pour l'écrase de Médène. Bon, il arrive il souffrait d'un malheureux incident. Il n'est pas capable de dire avec certitude, mais. Ce qui est sûr, par rapport à Mose Progression qu'il détenait et sa qualité de véritable stayer,
certainement qu'il a 2400 mètres, il est plus avantagé. Bien sûr, il est plus avantagé, mais seulement. Nous, quand même, tu as fait une fin de jolie les courses. Une fin de jolie les courses, Patrice, je ne peux pas dire ou non, une fin de jolie les courses. Mais est-ce qu'il. Bon, tu sais, en fait, Tenzin Valenguensk a 1800 mètres en Afrique du Sud, tu sais, première affaire. Quand il avait une galop 2400 mètres, il avait une galop de la case. Ouais. Al-Shiba, là. Il avait une home. Il avait une low terrain Al-Shiba. Low home Al-Shiba. Low terrain, ouais. Low 2400 mètres. Même à Poapouaz, Al-Shiba toujours est dans l'avantage. Maintenant, une autre question que vous avez posée. Tu sais, en fait, Tenzin Valenguensk, sur l'entraînement, bouscule-lui pour galop. Dans galop la duchesse. Depuis mars, ouais. Depuis la quarantaine, maintenant, et poussé pour galoper, il galope barbé. Alors qu'il pendant tout ça, les temps-là, Al-Shiba, il relax. Il peut reposer. Lui. Il peut reposer, il peut faire son travail bien. Tranquille. Bon. Mais quand on arrive Méden, il est beaucoup frais. Et comme on peut dire, sur l'entraîneur, il fait ce programme travail pour amener à son pic dans le Méden. Alors qui tu sais, en fait, il finit gagnant l'objectif précédent, il galope le lycée, il galope Barbé. Est-ce qu'il peut aussi bien, quand il peut galope Méden, bon, il n'est pas capable d'amener une forme stable, mais il ne peut pas croire qu'il peut progresser plus que ça. Par exemple, alors qu'il a si bas, il ne peut que progresser sur la course de samedi. Exactement. Rappelle-moi, tu me disais où, avant les courses, non, après les courses, je me disais, sa manière de gagner là, Nitin, moi, encore, rappelle ce coaching, Zou Méden. Et t'as l'ingénieur, gagnée, c'est pas la glacée. Mais là, il se robe pas trop correct, pas trop sérieux. Et nous, ça se voyait qu'il n'est pas au top, ces vals là. Ouais. Donc, comment on peut dire, peut-être qu'il n'y a pas une formalité, mais bon, Méden, nous connaît Méden, c'est Méden. Hein? Oui, définitivement. Nitin, ben camarade, nous allons faire les courses Al-Shiba là. Et je vais faire une idée après nous récouser. Voilà, les chevaux viennent de s'élancer pour cette épreuve principale à Winter Stakes Cup. Une épreuve de 1850 mètres de groupe 3 avec un bon départ pour The Dazzler à l'extérieur de Al-Shiba. Twist of Fate est quelque peu repris et se porte à l'extérieur de Patrol Officer qui a trouvé les barres en 4-5e position. Ensuite, il y a Made to Conquer, Opéra Royal. Eyes Wide Open qui est à son extérieur, son compagnon d'écurie Table Bay, alors que Al-Yassat se retrouve en dernière position. On passe devant les tribunes et bientôt le but pour la première fois sous l'impulsion de The Dazzle qui a une longueur d'avance sur Marshall Fock qui reste sur son arrière. Mais Al-Shiba idéalement placé en troisième position sur les barres. En quatrième position, on retrouve Twist of Fate qui galope à l'extérieur de Patrol Officer. Ensuite, il y a Opéra Royal qui est lui accompagné à l'extérieur par Made to Conquer. Ensuite, on retrouve Eyes Wide Open. Il y a Table Bay, toujours en dernière position, Al-Yassat. On est dans la ligne opposée à 900 mètres du poteau. The Dazzle, toujours en commande, avec en deuxième position Marshall Fock, toujours idéalement placé sur les barres. Il y a Al-Shiba. Ensuite, on retrouve Twist of Fate qui accompagne Patrol Officer qui est côté corde. Ensuite, il y a Opéra Royal, juste à son extérieur, s'est rapproché. Made to Conquer. Table Bay, Eyes Wide Open et toujours Al-Yassat en dernière position. On accroche la rue du gouvernement avec The Dazzle toujours en commande, avec Marshall Fock en deuxième position, Al-Shiba toujours bien placé alors que Patrol Officer et Twist of Fate restent bien dans le coup. Opéra Royal également là, juste derrière, on est lancé avec Al-Yassat alors qu'on aborde la cour pour entrer en ligne droite finale avec The Dazzle. Al-Shiba a passé l'offensive à l'extérieur, Patrol Officer est également là alors que Opéra Royal va gicler les cordes. Al-Yassat également qui tente de revenir. Mais Al-Shiba qui met le nez devant maintenant, lancé par Pierre Cornet au feu. On tente de revenir avec Patrol Officer, mais Al-Yassat, mais Al-Shiba. Superbe course de Al-Shiba. Après, nous nous trouvons aussi nous avons Al-Yassat qui tient en dernière position, qui fait une jolie course. Twist of Fate qui reste un petit peu one pace en ligne droite, capable à cause ce poids aussi. Contre Al-Shiba, mais nous pas qu'à dire non, on y est, ça les courses Al-Shiba là, dit-il. Oui, trop faux samedi, Patrice. Ce n'est pas un film vraiment puissant dans son man ressources pour les remporter les courses. Hein. Mm-hmm. Il tient un handicap favorable les deux, un bon la ligne, les films profitent de ça pleinement, il y a un joli parcours dans les deux des meneurs. Il sortit du quatrième couloir, comment nous trouver. Ouais. Il y a une certaine gate speed, ça c'est valable là.
Nous trouvons ce jeu. Il nous rappelle dans Méden, il est à l'oeuvre devant. Il est devant, hein. Oui, bon, là, nous trouvons l'île bien sautée, il vient devant patron l'officier. Ensuite, il vous laisse. Bah, il laisse banal. Vadaz, là, prend le commandement. Nous trouvons tout ça. En fait, il est bien sautée avec Ben Ophédia, oui. Mais quand Ophédia trouvait qu'il vivait Vadaz, là, puis insister pour aller, il répond sur ses voies. Il suit Wanoff. D'après vous, Fédé, un petit de ce lesquels, il dit si Mogan est bon, moi prends bon, ou soit il dit il préfère. Je pensais, ouais, il a envie qu'il préfère bon. Ouais, parce que là, il a le pari avec 61 kilos, ouais, 1800 mètres, pour ce cheval, idéal, ici, il tire ici contre le bon, mais il n'est pas capable de prendre fence. Et Vedazé n'a pas fini un prix, train vraiment rapide de l'eau, ouais. Ça. Et nous trouvons, l'étant qu'on est offert pour demander ce cheval, il est faux. Il pourrait venir assez facilement dans l'armée. Le cheval de l'écurie Narang, là, nous trouvons tout ça en fait des allopressions, plus difficile pour lui revenir. Et. Nous trouvons au feu. Bah, et pour ce cheval-là, mais ils sont. Il n'est même pas. Il même pas c'est, bon, sur, il paraît que ce n'est pas contre Cravasse, mais. Ouais. Easy all the way. Oui, je me rappelle, dans Zoumeden, c'est des saisons, tu sautes, tu cravasses, et ces vals-là, tu en voulais aussi. Oui, hein. Oui. Donc, c'est un cheval extrêmement maniable, même s'il galope devant, même dans derrière les meneurs. Donc, comment vous démanie, Enzefo, il y a une grande équerre, ces vals-là, Nitin. Ouais. Donc voilà, la victoire assez impressionnante quand même de Al-Shiba. Dans sa course là. Et on écoute Jimmy Nawata, qui est un jeune garçon, qui Ricky Mangone prend sous. On est, oui, c'est son assistant. Son assistant. Ouais. Donc on écoute qui Jevin a pour raconter sa victoire d'Al-Shiba. Jevin nous fait assister à une impressionnante victoire de Al-Shiba dans un Winter Stakes face à un meilleur coucher de l'île sur 1850 mètres. En tant qu'assistant entraîneur chez l'écurie Maigor, comment vous qualifiez la performance de ce cheval-là? Bon, les courses ont déroulé un peu comme on plan, mais il y a un joli style, il y a sans faire trop d'efforts. Et toujours un bon signe pour l'avenir quand il y a une course pareille. Quand on est monté une course parfaite, parce qu'il reste trop les bords assez vite. À partir de là, c'est un bon pas dans les courses. Avec la 52 kg, je suis qu'il prenne un bon pas. Et la ligne droite, il continue à aller, mais il gagne bon les courses. Est-ce qu'il est capable de confirmer si ça se va là à 100% samedi ou soit il est en coin de marge de progression? Seulement, c'est déjà une course après très longtemps. C'est une course d'un barbé. Avant ça, c'est une course l'année dernière. Alors, c'est déjà une course après très très longtemps. Et il y a encore une bonne marge de progression devant lui, mais nous pensons que les courses, une par une, et espérons qu'il nous réussisse à arriver à ce meilleur niveau que c'était l'année dernière pour Méden encore une fois de Méden cette année-là. Et certainement, comment peut cause le Méden, Jevin, est-ce qu'il y a une possibilité de trouver dans le Golden Trophy avant le Méden? Bon, une décision, pas qu'on prend à celle-là, comme on dit, nous ferons une décision N par N, nous pas trop, comme on est déjà, don't get ahead of yourself, nous pas trop presser, nous prenons une décision N par N, et mon cher, une due course, nous pouvons discuter avec lui quand ça nous va l'oublier, mais c'est target, encore une fois, reste le Méden. Est-ce qu'on peut dire nous quelques mots sur la deuxième place de Cadence Pride de Yesidence? Cadence Pride fait une bonne course. Facile gagne 4 victoires d'affilée, mais il retrouve un peu trop loin avec Sidence qui gagne un lead assez facile devant. Malheureusement, c'est un cheval dans les courses qui peut laguer pour tout ce jockey. Ça fait un domino effect pour Deya avec nous. Il retrouve un cheval de Simon Jones à côté de lui qui empêche quand il vient sur le tir à faire wide encore une fois. Mais il refait un terrain à la ligne droite, mais il est revenu après un petit break aussi et il fait une bonne course. Une performance honnête de Global Spectrum dans la dernière course, malgré qu'il n'ait pas gagné un passage. C'est un improving saut, nous a dit Jevin. Oui, il fait une bonne course. Il ne faut pas penser ça quand il n'a pas gagné un passage. Il a fait grand effet parce qu'il est un petit peu fatigué. Mais il fait une jolie course et il improve chaque semaine les courses qu'il a galopé ici. Vous pensez, il n'y a de dos ou non, l'état. Jevin, nous connaissons qui Al Rams tient beaten favorite dans The Lightning Cup la dernière fois. Qui est-ce qu'il a avec sa cheval-là dans sa course-là et comment il pick-up pour la suite? Moi, j'ai un petit peu tout contre lui la dernière fois. Il a sa poids lâche et tout. Il fait une grande affaire quand il a poids.
Even lightweight, de même, les courses galopent contre eux. Du parti qu'à continuer chase, ben là, sinon, les parties finissent bien. C'est un cheval très rapide là-dedans, en présence de Kamadeva, Robstroy, qui tient lightweight dans les courses. D'ailleurs, j'ai fini premier, second, si je ne me pas trompé. Et voilà, mais pour attirer contre lui la dernière fois, Code Beaten, by the way. Est-ce que vous êtes capable de confirmer si Traveling Man finit encore improve par rapport à ce très bonne rentrée cette saison? Il a aussi dit qu'il a pris son premier course après très très longtemps et il vient prendre son premier course, c'est un gros cheval, il est stocké, il fait une très bonne première course, il a une gorge sur condition, peut-être nous trouver très bientôt. Un petit monsieur Zenon qui fait une galop en gros progrès la fois dernière. Si Zenon c'est un petit cheval, spécialement semaine de course, bien pas trop pressé pour galoper, il y a encore jeune, il y a aussi, il y a encore une phase. Côté du cachot, encore une fois, il n'y a pas un galop beaucoup en Afrique du Sud. Il fait une bonne troisième place la dernière fois, mais espérons qu'il puisse galoper samedi, qu'il fait une bonne course encore. Javine, nous connaissons qui le nouveau, Nubes, peut poursuivre ce schooling mardi matin. Est-ce qu'il est capable, pour mentir, fils, élaborer un peu derrière son gros travail, derrière l'éducation de sa crochet-là? Oui, c'est un cheval qui est difficile tout le monde à chaque fois en Afrique du Sud, avant qu'il commence à galoper en Afrique du Sud. Il décide de banane, un souci là-bas pour lui. Pour les schooling là-bas, pour les passer, pour les calculer sur combien les courses. Il n'y a pas de problème, mais il fait ça aussi, pour une fois qu'il nous a amené. Malheureusement, bon, on n'est pas connaît, mais sinon, il est schoolé depuis avant. Et pour la suite, nous schoolé et tu peux passer, fingers crossed, tu peux passer bien. Mardi prochain, pour probablement nous passer dans un trial. Et un petit mot sur Frosted Gold, comment il passe sa récupération et sa progression? Tout doucement, nous prenons le temps avec lui, c'est un jeune cheval encore une fois et il peut en avoir pour presser, avec lui, il n'est pas pressé avec le jeune cheval. Et nous donner tout le temps et quand il est prêt, lui-même, il peut dire à nous et là, nous retrouve pour cette goal. Javin, un coursier qui donne nous satisfaction à l'entraînement ou trouve bien dans son lapin et pensez pour galoper bien la prochaine fois? Bon, on dirait qu'il travaille une main, il fait un bon entraînement aujourd'hui matin, espérons qu'il qui va une circonstance de course fasse bien pour lui, encore une fois nous gagnons bon couloir, etc. Et là, il a fait une plus facile automatiquement. Et espérons qu'il y ait une bonne course samedi aussi. C'était l'interview de Javin Awadar, qui est l'assistant entraîneur de Ricky Mingor. Nous sommes au sujet, Nitin, là, on a fait essayer Nitlin. De la désorée qui nous a enchaîné lourdement, soit Nil Rama. Avec Akash Ocharaz, en 3 semaines et le 4 semaines. Ocharaz, dans le Ocharaz avant? Bon, les bons nouveaux, enfin. Ouais, vous voyez, allez, ça. Les pires gameplays là, pardon, oui. Le motif cap là. Ouais. C'est bien mouvementé. Au final, 3 jockeys finissent suspendus dans les courses. Premièrement. Il y a un Roby Bikari qui samedi finit écope 2 semaines de suspension, le Zigzagizuki. Ouais. Quand il finit Zen et et high voltage quand il finit rabattre à la côte, il finit comme 2 semaines de suspension. Probablement, il repose sur suspension, il peut monter lors de la 17e journée samedi. Nous guettons les courses, c'est oui, après, il y a des autres jockeys. Des autres jockeys, ça va me dire là. Il y a soit Nil Rama et Akash Ocharaz. Oui, je donne une suspension hier pour notre riding to the satisfaction of the stewards. 3 semaines pour Akash Ocharaz, le Bollinga, et 4 semaines. Pour Swapnil Rama, le high voltage. Je ne peux dire que hier, je passe pratiquement 2 millions de temps. Je suis venu à l'aller. Demi-journée finie, juste dans l'enquête hier matin. Nous avons les courses, hein? Nitin, après, on va expliquer nous bien ce qui est arrivé dans les courses qui est Bollinger. Remporté par Ronjoy. Remporté par Ronjoy, bien sûr. Nous pouvons nous dire que Bollinger. Avec High Voltage. Okay. Voilà, c'est parti pour cette deuxième épreuve. Tous très bien partis. Ziggy Zaggy Zuggy se montre le plus rapide et l'ouverture des boîtes avec bien parti également High Voltage qui est quelque peu repris à l'extérieur de Laser qui suit très bien en deuxième position. High Voltage va partir maintenant et tente d'accrocher Ziggy Zaggy Zuggy au commandement. Avec Laser qui se retrouve en troisième position alors que Ronjoy est quatrième accompagné par Canary Island. Dans leur sillage, il y a Anderson, ensuite Varside, Good Buddy et lui à l'extérieur de Secret Night. Et en dernière position, le favori Bollinga. On est dans la ligne opposée à 800 mètres du poteau avec High Voltage qui finalement a ravi le commandement.
sur Ziggy Zagizou qui creuse quelque peu l'écart avec 2-3 longueurs d'avance. En troisième position, il y a toujours Laser. Ron's Joyce a déboîté et se porte à son extérieur. Ensuite, on retrouve Canary Island qui bouge quelque peu. Anderson, Varsail également bouge à l'arrière, à l'extérieur de Canary Island. Good Buddy également commence son effort en dernière position. Bollinger, alors qu'on était à 400 mètres du poteau. Voilà que Ron's Joy qui part maintenant avec Ziggy Zagizugi également qui fait l'effort. À l'arrière, on bouge avec Bollinger qui tente de partir. En pleine ligne droite finale, Ron's Joy a dominé Ziggy Zagizugi, lancé par Dinesh Sofoul. Donc Ron's Joy, Ziggy Zagizugi, il y a lutte. Ron's Joy qui verse quelque peu à l'intérieur. Ron's Joy, Ziggy Zagizugi à l'extérieur, Bollinger qui remonte de plus en plus fort, Ziggy Zagizugi, Ron's Joy. Donc, Nitin Nunget les courses là, ok, donc, tu sais, elle peut galoper, nous peut là-bas, mais commissaire, il me reproche au Tcharaz, en affaires, c'est tout le départ. Oui, bon, quand on get, du moins get les courses là, ouais. Au Tcharaz, dernier position, la descente, il peut attraper. Bollinger, il s'est galopé derrière. Il s'est galopé derrière, oui. Ouais, okay. Mais il a pensé que quand Ron Joy, par exemple, il descend la descente, des types bizarres, descend. Ouais. Tout ça là, le commissaire, je n'ai pas reproché, non rien, l'eau sur la montre, depuis le 1000 mètres. Ok. Jusqu'à la fin des courses, mais il n'a pas non rien pour y aller. Par contre, reproche ce qu'il veut faire, c'est au 1300 mètres. Ça veut dire juste après le départ, 100 mètres après le départ. Ouais. Quand, ouais. C'est vrai, les films gagnent une interférence, mais Bana a pensé qu'ils ont l'opportunité de faire beaucoup mieux après avoir subi cette interférence. Et bon, le départ, tout d'abord, voilà. Le droit de sortir à l'extérieur de Ronzo. Et bien sûr, sur instruction à l'impérateur, c'était suivre en 6e, 7e position. Okay. Identifier Ronzo comme un seul principal. Qui est tout à fait normal. Et là, il y a l'extérieur Ronzo. Bien bon. Pour les moments bons là. Bien bon. Rondio, il saute un peu lente, hein, vous allez dire. Ouais. Et là, mais là, qu'elle est arrivée, il y a une interférence. Une légère interférence. Ouais, hein. Suite à une interférence donc, causée par Ziggy Zagizugi sur High Voltage, ouais. Anderson, c'est mal Anderson, Vinlo Bollinger et Akashu Tcharaz, il reprend sur ses balles. Mais là, interférence, elle finit de rouler là. Moment, et vous trouvez, il peut continuer, attrape sur ses balles. Tibizin, les Tibizins, après interférence, mais là, oui, ils continuent sur ses balles, ils replacent. Là, ils peuvent continuer à galoper. Là. Ouais. Get qui voit la rue, ils peuvent continuer à attraper, à tel point que Good Buddy pouvait venir devant lui. Ouais. Vous comprenez là? C'est ça qui, commissaire, est possible. Qui fait une réponse sur ses balles, ça continue là. Bon, nous avons un incident là. Là, il faut subir l'interférence. Okay. Good Buddy a sur l'extérieur. Vous trouvez? Là, il commence à reprendre. Get la tête sur ce balle. Allez, ok, il reprend. Ouais. Au moment, allez, nous laissons la rouler. Là, les tibisins, là, après l'interférence, laisse fil reine, laisse te séval, roule. Réponds de place, ouais, réponds de place. Les tibisins, comme Alain Pedro finit de lire dans l'enquête, te tibisins, laisse te séval, move forward là. Là, l'interférence, il finit là, par l'interférence, il finit bien longtemps là, Nitin. Mais il n'est pas capable de laisser Good Buddy. Il y a place, en oui, il y a place. Mais d'ailleurs, Good Buddy, il est wide là, too wide. Et Good Buddy pour rentrer devant lui. Et là, il y a le rétro, il plie derrière encore. Beaucoup plie pas derrière. C'est tout qui, Ron Joy, l'identifie lui. Lui-même, il dit, c'est Ron Joy. Et Ron Joy, quand il est arrivé devant là-bas. Quand il est le principal adversaire. Ouais. Et là, quand il rétro lui derrière Secret Knight, qui n'est pas un cheval qui, normalement, il faisait suivre dans les courses, c'est pas un adversaire. Quand les courses pour décanter dans la descente, Patrice. Ouais. Qui peut l'arriver. Ron Joy, pour sortir, pour aller. Mais lui, tellement lui derrière. Il n'est pas capable de réagir, parce que s'il réagit, il a besoin de free wide. Donc, comme Alain Pedro finit dans l'enquête. Ouais. Ça, moment quand il reprend ces balles-là, après l'interférence, quand il continue, si vous êtes sur la. Bon, reste pas Nuno capable de montrer. Vous voyez, les gars, là, quand les courses ont décanté, là, les courses sont finies, là. Ouais, ouais, ouais. Là, il peut descendre, là. Marie derrière. Ouais. Là, nous revenons sur l'incident-là. Alain Pedro dit, vous êtes. Bon, à Akashu Tcharaz, il a causé un incident-là qu'il ne retrouve pas derrière. Mais Alain Pedro explique-lui. Il y a lui qui sa manière qui te peut trapper ça ces balles là. Ouais mais là là. Il peut trop trapper ces balles là. Ouais mais là l'itibizin. L'itibizin. Le Soren. Ouais. Laisse ce cheval là. Définitivement. C'est ce qui ban commissaire fin réponse. C'est qui Alain Pedro fin d'ali. Alain Pedro catégorique dit c'est là qu'il fin perdu ça les courses là. Ouais. Quand il continue répond ça ces balles là. Lui fin dit sur ces balles fin grappe de bit. Vous regardez sur la tête de ce cheval, à travers un côté, au contraire, Jamia Liosen, tu peux crier. Il dit ce cheval, tu as une tendance par le déo, à cause de ça qu'il peut répondre. Mais le commissaire peut dire, c'est sur la tête de ce cheval, à travers,
c'est parce qu'il peut trop reprendre les mouvements sur la main, sur la main. Vous pouvez comprendre? Ouais. Ben là, peut aller sur la tête, c'est pas là, travers, c'est parce qu'il lit qui peut répondre, c'est pas là, qui peut faire, qui c'est pas là sur la tête, travers. Il n'est pas d'accord, là, ça. Mais si vous regardez ce film-là, long 1850 mètres, ouais. La caméra 1850 mètres, ouais. Vous pensez comment le commissaire finit par ce film-là, là, comment nous dire en créole, c'est là, malin coup d'outil. Allez, nous regardons ça, nous regardons ça, la caméra 1850 mètres. Hein. Ah, bon, l'extérieur, on joue ici. Ouais. Là, pour le moment, tout bon, là. Hein. Tout OK. Ouais. Good buddy, il est en l'épaisseur. Ouais. Allez, assez guetté. Il commence à répondre. Get sur position là, la selle, get sur reine. Ouais. Et vous trouvez, il continue à répondre. Il est en joyeux dans l'île. Hein. Ouais. Il continue à répondre. La tête sur ses vales. Bon, Lily James, c'est malin, grab ce d'habit. Ouais. Et là, le côté gauche. La tête là, vraiment, même super à travers. Ouais, hein. Ouais, ouais. Et bon, ainsi dans l'île, fini là, Patrice. Ouais. Et Alain Perrault, il dit. Tu n'as besoin pas de répondre, quand tu réponds là, tu as besoin de move forward. Et là, nous avons Secret Night qui peut traverser. Oui, Secret Night, Good Buddy, je tout peux traverser. Tranquillement, hein? Oui. Sans faire des efforts, là. Et bon, Akasho Charaz, il plaide in charge for not riding to the satisfaction. Mm-hmm. Mais ben, le commissaire finit trouve-lui coupable et je finis inflige-lui 3 semaines. De suspension. Non, et t'as oublié moi ça. Et auparavant, Patrice, bon, ouais. Si vous avez des épaules et tout ça, vous trouvez, ben, le commissaire demande qui fait quoi une sortie de star sur la main, il y a une tight reins, comment dire, sur reine, ouais. Serrée. Et il peut empêcher ces balles-là aussi. Bah, ouais, mais bon, les Vindia qui l'ont sorti, ils y, Ronjo est son principal adversaire, tient son intérieur. Allez, ça n'est okay, pas un problème. Quelque part, l'effet que Ronjo ne rate des pas, ça, ou pas capable de reprocher, non rien. Mais ouais. Ça, nous jouons dans ce favier, quelque part, c'est parce que Ronjo ne rate des pas. Capable. Il ne retrouve lui là. Capable que Samy a 3 semaines? Non, pas pour ça. Il était où était à 3 semaines là? Cadeau. Hein? Cadeau. Tout le respect que moi là pour lui, vous rappelez la semaine dernière qui du Féline sorti avec Pravin Nagadou et. Heureusement. Non, get ça. Écoutez, non, dit. Vous connaissez c'est mal Pravin là encore une fois là. Non, ça coule du non. Enfin, heureusement ouais. Pour lui, à l'inverse, il y a une jeune. Tranquille. Bon, il y a une. Ouais, ouais. Il y a une vieille de la vieille ici. Il y a un peu plus. Plus calme. Plus calme. Et un peu plus l'expérience. Bon, il est capable de contrôler son animé chaud. Même ça, moi, je vais dire, ouah, après les couches, où tu trouves Alain. Alain, pas content du tout. Il n'est pas content du tout. Mais il y a, Alain Pedro, il explique ce qu'il reproche au commissaire avec beaucoup de calme. D'accord. Pas fin excité. Même après l'enquête, il finit Djali. Il finit Gozozo, il dit, Djali, comme ça, si tu n'es pas capable. Il y a une cause pour lui-même. Ouais, pour lui-même. Pour pas, la prochaine fois, il n'y a pas fait manière comme ça, comme bien ça. Sûr. Ouais, il espérait qu'il irait. Ouais. C'est un bouquin qui a quand même beaucoup de qualité. Ouais. Et il évite de faire manière pareil à l'avenir. Et je pense qu'il fait l'épargne plus que 3 semaines, c'est parce qu'il y a la sens qui finit dans cette interférence-là. Ouais. D'ailleurs, il est sur défense basée principalement sur l'interférence. Ouais. Mais le film-là, vous trouvez clairement qu'il est un peu overdue bien sûr. Quand il subit ça l'interférence. Et le plus important, c'est dans l'in overdue, et ça, il coûte la course Bollinger. Définitivement. Vous pensez que c'est une des courses impérables. Et quand ou adversaire Ronjoy dans les courses, ou pas capable de suivre Secret Night en queue de peloton. Bien sûr, et nous trouvons qu'il Ronjoy, à un certain moment, il finit bien 6-7 longues, il au lit. Et au propre, il rattrape Ronjoy parce qu'il est en top form Ronjoy, ouais. Et il gagne à nous dire les courses tranquilles. Et ce qui a également la sens, c'est que le commissaire n'a pas fini de charger sous permissible, not for not failing to take all reasonable and permissible measures. Là, tu vois, il prend. Et puis, l'autre sanction. Nous espérons que sa sanction-là, faire au Charaz la prochaine fois, prend un petit peu plus conscience dans les courses et monte avec un petit peu plus conviction, ouais. Avec un peu plus concentration aussi. Oui, moi, je pensais, c'est un
petit qui t'a pas monté. Ah oui, nous connais. Et mon pensée, il disait. Après sa suspension, il a permis de lire mon pensée. Mon pensée, il n'a pas fait l'appel, Patrice. Mais Nitin, pour ce crédit même, nous, nous avons causé que Manon entraîner, et Manon entraîner cause du bien de Outiaraz. Tout Manon entraîner, dire qu'il y a de grosses qualités. Donc, bon, on ne pas garder sa bonne qualité là, s'il vous plaît. Donc, Nitin, il a ligné 3 semaines. Mais explique-moi comment Swapnil Rama a gagné 4 semaines. Low high voltage. Oui, bon, je ne comprends pas parce que vous dites, Bollinger, il n'a pas gagné les courses là. Ouais. Au Tarani, il y a 3 semaines. C'est ça. Et Swapnil Rama, l'ONC Val qui termine dans la traîne, qui est parti par réparer, parti dans aucun sens gagné, il finit 4 semaines. Exactement. Moi, on vit qu'on est qui est arrivé, mais moi, il y a 4 semaines. Ça, l'enquête là, est un peu comique. Enfin, bon, l'enquête. High voltage, vous allez dire qu'avant les courses samedi, commissaire fin appel Amos Yungal, oui, qui appelle pour demander qui l'instruction pour high voltage. En l'absence de Swapnil Rama. Parce que Swapnil Rama, quand il désarme de l'eau, c'est valable, c'est valable, il est de paddock, il est désarme en sel. Donc, je vais appeler Amos Yungal pour demander monsieur qui ou instruction. Et là, à mon sujet, il me dit, mon commissaire, son instruction, c'est sorti pour d'écoute. Si vous avez un cheval plus rapide dans les courses, laissez-le aller, suivre Handy. Ouais. À ce moment-là, quand les courses se déroulaient, mon commissaire trouvait que Rama, après avoir subi l'interférence avec Ziggy Zagizugi, il bound ce cheval heavily, il insistait pour aller devant, le 400 mètres, il fait service au cheval. Pour aller devant. Ce qui le contraire, c'est qui Amos Yungal fin dire au commissaire avant la course samedi. C'est un coup de là, maintenant, réappelle Amos Yungal après la journée. Après la journée, maintenant, il dit mais qui ou instruction c'était. Les vins dire sur instruction, c'était sortir et c'est aller devant. Ouais, et pas mais là, madame le commissaire, arrêtez tout de suite. Il a dit, mais pas ça. Pas ça qui vous dit. Mais pas ça que vous dites à nous avant les courses. Et là, maintenant, à Zoom, l'enquête là, hier matin. Ouais. Et je dis à nos camarades, nous, à le road recording, c'est qu'à moi aussi, vous avez fini samedi. Avant les courses. Avant les courses. Ok. Et je ouvert donc, réouvert l'enquête avec Swapnil Rama. Et je dis, bon, Rama, mais. Qui instruction il donne toi? Bon, Rama dit sorti. À le défendre. Et c'est à le défendre. Moi, j'étais un peu perdu dans ce mot. Les capas recording, c'est un goût là. Recording, à mon sujet, sur instruction, avant le coup, c'est pas le défendre. Okay. Bon, comme ça, je te mène d'esprit. Ouais. Il y a, il dit à le défendre, pas le défendre. Vous pouvez comprendre là? Ouais, ouais, mais ouais. Arrivé un moment, bon. Chacun peut un peu évasif. Je suis un peu maillé dans votre propos. Oui, je suis un peu maillé, comme on peut dire, un peu évasif. Ok, ok, ok. Finalement, comme si Stéphane Dessalem était une pression, l'autre dit bon, si, généralement, si Amos si, Yungal, il dit où les contraires, c'est qu'il dit dans l'instruction. Vous avez dit nous, bon, vraiment, pas capable de dire, finalement, vous avez dit il faut notre aligne de satisfaction. Il y a 4 semaines, et à la fin, Stéphane Dessalem, il dit lui, au cours de sa enquête là, il a l'impression qu'il a une rôle prothèse. À mon sujet, je fais une prothèse de gamme. Donc finalement, il sanction. Mais finalement, Ndjoun a une responsabilité. Mais malheureusement, c'est Rama qui. Ndjoun a payé pour ça. Il a payé ça normal. Parce que le commissaire donne Rama l'opportunité pour lui dire la vérité, ce qui finit par passer. Bon. Il n'est pas capable catégorique, donc il finit et coupe 4 semaines de suspension, mais ben commissaire finit également. Ben commissaire, enfin, du monde qui assiste à ça, l'enquête connaît, nous connaît qui finit passer, Patrick. Oui, oui, oui. Mais ben commissaire, si vous pensez, manière qui peut dérouler, je suis conscient. Bon, Rama, son employé, ça y est un peu coincé lui aussi. Un peu normal. Pression, pression, tous les deux, hein.
Mais le commissaire finit à moi, il a besoin faire attention à l'avenir, il a besoin plus explicite dans ce ban instruction. Bien sûr. Nous arrêtons les courses high voltage, j'en dis que Nitin, juste pour les téléspectateurs, je comprends qu'il est arrivé. Oui, bon, c'est pas la fin des années, au départ, par Ziggy, Zaggy. Donc là, il y a dit comme ça, si comme dit. Non, il y a dit sorti, c'est là, c'est pas plus rapide. Plus rapide, il est assisé. Il est assisé. Ouais. Donc. Ouais. Mais là, zigzag, ouais, c'est beaucoup plus rapide qu'il est. Oui, mais là, même après avoir été gêné, nous trouvons qu'il n'est pas dans sa gate speed, sa zigzag, zigzag. Même là, il peut paraître plus rapide qu'il est. Ouais. Mais après, nous trouvons qu'il Rama finit d'insister un pile. Ouais. Là, il est. Il peut faire des efforts un pile. Oui, oui, bien sûr. Et, mais ça, et là, il peut demander. Il compte productif à son cheval là. Il peut demander un effort. Un effort, beaucoup d'efforts pour le devant. Mais à cause, même qu'il finit de gagner 4 semaines. Patrice. Donc voilà, et là, les tanguettes, il y a encore, peut pousser, pas quoi le devant. Pour le devant, l'in fait la montée là, net, il peut pousser, donc c'est voilà. Ouais. Mais mon copain comprend qu'il y a du monde surpris. Ouais. Moi-même, mon épée surpris, moi, je dis qu'il gagne 4 semaines. Rarement, même il me choque, il gagne 4 semaines. Bien sûr. Ouais, moi, tu pensais une simple enquête, puis aller, il bouge, mais même. Mais mon commissaire il sanctionne sévèrement pour me penser par rapport à ça. Il plus par rapport à l'instruction qu'il. Ouais. Pas suivre, pas ne suivre, pas connaître. Exactement, c'est ça. À cause pas connaître qui la montre là. Ouais, à ce là. Parce qu'il n'est pas capable de dire commissaire pour faire des affaires, après on va faire les contraires. C'est ça. Au moment, c'est pas capable de cocher une manne d'affaires comme ça. Il ne faut pas embêter le commissaire. Ouais, exactement. Et mon demande, mon commissaire, mon gars, ça a du monde. Et puis, je suis appris pour vous dire, Bollinger, tu as gagné les courses, gagné 3 semaines, high voltage sur le dernier, et puis gagné 4 semaines. Ouais. Comment vous expliquer ça à la télévision? Et là, nous trouvons qui c'est malin, une tout fait net. Oui, tout fait net. Bon, et là, le commissaire explique, il y a des affaires qui finissent jouer dans faveur à Casso Charaz. Il y a un clean record, et okay. Deux, ça incident, interférence qui finit dérouler dans les courses-là. D'ailleurs, les fins bases se défoncent principalement dans cet incident-là. Ils disent ça, c'est un mitigating factor dans le cas de Bollinger. Et tout ça pour dire, mon camarade, malheureusement, il est sanctionné 4 semaines sur Abnil Rama, mais Nitin, il y a ce 200e victoire. Ouais, c'est malheureux ou qu'il gagne ce 200e victoire. Il y a le gain sa 4 semaines là. Aïe. Un peu roche pour lui. Bien roche. Parce qu'il a habitué ce jeune, on est habitué bien causé avec lui. Bon, mais où si tu es dans sa place où tu peux faire, c'est tout qui ou employé à côté ou là. Fouf. Une situation bien délicate pour lui. Non, il est bien délicat. Et mon entraîneur, il m'a fait ça, moi je peux faire ça là. Après, moi, bizarre, l'explique ça. Parce qu'il dit quand Amosi Ujalin vient dans la salle samedi avant les courses, il est parti là, lui. Oui, il est parti là. Il connaît qui il dit. Vous comprenez? Donc, mais. Ou imaginez-vous? Ben, commissaire fait malin là. Aussi, ben, commissaire fait malin. Je suis bizarre tracé, ben, commissaire. Puis je suis capable, comment dire, de gagner la vérité. Et je ne connais lui. Ça même. Mais. Vous comprenez? Il me connaissait. Mais il est coincé, mais 4 semaines pour lui. Bien coincé, en tout cas. Mais nous espérons qu'il pourrait venir très vite. Bon, il est capable de faire l'appel contre cette sanction-là également. Oui, c'est ce que moi, tu peux demander. Ouais. Nous avons un coup de pas pour l'appel. Mais justement, nous continuons avec Swapnil Rama, qui nous dépasse là-bas des 200 victoires, qui est exceptionnel. Oui, c'est un joli parcours. Il y a beaucoup de jockeys, surtout Man Mauricien, qui finit bien. 200 victoires ici, pourquoi le troisième jockey mauricien atteint d'abord le 200, c'est quand même un achievement. C'est un jockey qui récemment s'arrête de monter, qui commence une carrière assistant entraîneur contre l'équipe Tchan, et puis pour la suite, il décide de rechausser les étriers. Avec beaucoup de bonheur, il peut ramener sur le lot de victoires. Chaque année, et là, il atteint la barre des 200 avec Overdose, et c'est vrai qu'il paraît assez quand même confiant. Confiant, là, nous sommes un fan. Bien Bannett finit par avant les courses. Parce que, écoutez, vous pensez que Seval là, tu es bien, tu es un des Seval qui est dangereux dans les courses, mais il est parmi les favoris pour gagner les courses, donc ce man fan signe bien paré. Et nous avons les courses over 2 là, et après nous avons les courses encore qui ont gagné juste après. Donc les courses over 2 avec Swapnil Rama.
Oui, Ennego, je pense qu'il y a beaucoup de trains, Patrice. Oui. Côté Séoul, fin galop aux avant-postes. À un certain moment, nous disons Séoul, puis il y a les courses. Oui, nous disons pas facile pour remonter. Il y a tout de suite à venir dans les courses, Patrice. Mais Séoul, pour manque de gaz dans la ligne droite, et overdose pour sortir la meilleure accélération pour signer un. Très belle victoire. C'est Valmal Sanchez dans les courses, hein, probablement, Man from Seattle, oui. Qui n'est pas capable d'exprimer correctement en ligne droite, qui n'a pas gagné clearance. Il y a un trouvé, un joli les courses de Swapnil Rama, qui nous laisse ce cheval bien relax et qui accélère au bon moment là, Anitine. Hein. Oui, c'est un petit cheval overdose, qui munit des ailières à nouveau. Et. Les Montrelli le plus percutant au finish. Et nous tout mène from Seattle oui, avec en rouge qui finit avec un trafic problème. Trafic problème, il n'y a pas réussi à accélérer bien comme il faut en ligne droite et il termine assez près. Et nous avons deuxième les courses, l'absolutiste. Absolutiste, Nitin, où est-ce que tu dis attention, ça c'est val là, et Amor Sujal. Tu donnes un sens. Tu confirmes qu'il s'est val là très bien. Dans ce interview avec Jean-Philippe, l'étant Jean-Philippe est cause overdose, bien sûr Jean-Philippe a petit posé la question, est-ce qu'il y a un sens? Et moi, l'étant Lydia absolutiste, je me dis, absolutiste? Et Ouvine confirme ça après, Lydia, mais raconte, d'un petit absolutiste, mais, ça les couche ça. Mais finalement, quand vous référez les couches ça, quand vous pensez dire adieu, ouais. Si vous gagnez les courses. Ok. Alors, pour moi, G.I. Joe, ouais. Quand on réanalyse les courses là, bien, me trouver une des courses nous étaient. Mais nous pouvons nous les courses G.I. Joe. Avant, avant le cause G.I. Joe, ouais, c'est ça. Moi, tu expliques où, avant les courses, moi, je dis comme ça, qui, absolutiste, si vous êtes sur le dernier des courses, Patrice, c'est galop en dernière position. Ouais, ouais. Et étant donné que tu peux analyser comme ça, je me dis, oh, si j'ai envie de gagner ça, les courses, ça. L'Ibsal devant. L'Ibsal devant. Mais parce qu'il est in, le fois là, l'étant litiga le pays là, litiga les courses. Bien dur. Hyper compliqué. Ouais. Hyper compliqué. Et. Au fait, tu peux. Bah, on est sur la litiga le pays devant, il y a le retour derrière. Exactement. Ouais, là, il a. Mais moi, qui fais un mot, je me dis, c'est val là, bizarre le devant. Parce que c'est un cheval qui paye 548 kilos. Ouais. Et que ce grand foulée qui est là. Si vous laissez Paddington Sluck avec Tia à devant qui pour réduire les courses, mais c'est là pour qu'on se tire les mots dans la main. Hier, on a appris dans l'enquête, ouais. High Voltage, Amor Sujal, l'entraîneur, Finja Rama, l'intérieur, Finja au commissaire, qui sont instructions, ce n'était pas à devant l'absolutiste. Donc, quelque part, nous finissons la chance. Moi, je peux analyser ça avant les courses. Ouais. Je peux dire ça comme ça, moi. Comme ça, mes instructions sur l'entraîneur, ce n'était pas le devant. OK. Ouais. C'est quand l'insouti. Bien sorti. Bien sorti. Qu'il est là qui, Rama, il prend l'initiative pour lui, okay. Pour le devant. Et je pense que c'est sa décision-là qui fait lui gagner les courses. Parce que s'il n'est pas le devant, je ne peux pas croire qu'il gagne les courses. Oui, mais là, on nous avons une polémique. Ouais. Parce qu'il là aussi il pas peut-être pas suivre exactement instruction sur entraîneur. Non, c'est ce qui moi, ben non, mais justement à Amor Sujal il servi ça argument là ouais. Pour venir défendre lui pour défendre le high voltage. High voltage. Ouais. Ouais. Mais en même temps mais moi je me dis ça mais s'il est parti pour devant le absolutiste, mais il est parti pour gagner. Il est parti pour gagner. Ouais, il est parti pour gagner. Parce que Paddington Sluck tu pourras le devant et quand Tia tu pourras le devant. Premières affaires que tu fais, li, tu peux réduire les coûts. Les on gagne les coûts, c'est que perdit les coûts. Exactement. Pareil que moi, si je me dis, je vais une langue fermée, un match de bois, je vais une langue fermée, il tape goal, il barre. Ouais. Mais sur mon coéquipier pour les mettre au lit. Tandis que s'il met goal là, il met goal là. Ouais, ouais, exactement. C'est exactement sa comparaison là, mais il gagne une les coûts quand même, l'eau absolutiste. Et comment on réduit, G.I. Dieu, tu n'as plus. Étant où regrette les coûts, G.I. Dieu, tu peux gagner les coûts. Mais. Nous concentrons-nous tout d'abord sur les courses absolutistes. Absolutistes, c'est un zen, c'est vrai. Le fait que 4 ans, pas fin galop beaucoup, Patrice, il est bien sorti de stade. En Afrique du Sud, c'est vrai qu'il y a de laurier, mais à Maurice, bon, il s'est montré du pas derrière John Hancock et il m'a pensé là. Et là, il a insisté là. Hein? Ouais, ouais, vous trouvez, Paddington Stock permettait là. Ouais, ouais, ouais. Mais, un sens, il m'a pensé vraiment, il gagne la lucidité en pisse.
Paddington Slug rentre devant lui et garde fence. Et c'est ça qui peut faire gagner les courses. Et le tour n'est pas digne de se dire, à un certain moment, il n'est pas insisté, il n'est pas capable d'insister. Hein, sinon, il peut le faire la montée. Mais même ça, je n'ai assez vite. Là. Ah oui. Et un strong pace, là, Patrice. Et bon, vous trouvez là, G.I. Joe, il est en troisième position derrière Paddington Slug. Il y a Moschino derrière lui. Et là, quand un moment, G.I. Joe est capable de prendre bord, il peut attaquer. S'il y reste derrière Absolutist. Bien sûr. Les Tibougains sont inside run, ben on a absolument ça. Bon, maintenant, je ne suis pas capable de dire aussi pas, je ne vais blâmer le jockey Oliver ou bien c'est instruction qu'il finit gagner. Oui. Ça ne nous pas connaître instruction, mais bon. Mais absolutiste, il a quand même beaucoup de caractère, Patrice, parce que Diadio finit. Il finit traverser. Mais il est pour revenir. Oui. Et il est pour remporter la victoire, c'est un fighter. Et déjà, le ce premier des courses, quand il s'est galopé, derrière John Hancock, il t'y montrait beaucoup de caractère et il finirait montrer caractère encore une fois pour remporter une belle victoire. Et là, vous allez dire, très belle montre de Swapnil Rama. Ah, oui. Alors qu'il y a instruction, c'était pas le devant. Exactement. Mais dans ça, les courses, encore une fois, Nitin, le cheval, c'est Moschino. Oui. Moschino qui, comme ici, il appelle Bernard Fédier, mais qui n'a pas gagné aucune sanction. Oui. Donc, il donne son explication bien. Est-ce qu'il nous a capable de dire. Bon, le commissaire a fait une question sur la montre à partir de 400 mètres. Oui. Quand nous trouvons Diadio qui est devant lui à un moment, Diadio qui est de bord, il a dit qu'il ne fait pas une groove. Qui ne fait pas le rentre dans sa place là. Oui. Éventuellement, il pourra le zéner un peu comme si Paddington Slug pourrait rentrer à l'intérieur. Ouais. Mais s'il tire pas en passage là avant, Paddington Slug, pas capable. Mais Fedeb, je dirais qu'il le jockey. Il vient d'affaire, il y a beaucoup dans l'enquête là. I was happy where I was. Et il disait, I was laughing when Richard Oliver made his move on Jaiju. Il disait, because there was already a strong pace. Et il was happy et Vincent Allais finit confirmé que sur instruction c'était Atan inside run parce qu'il machinait une tendance hanging. Donc Federer dit il est happy where he was, il est Atan, il finit par Paddington Slug, finit bouger au cours de l'enquête. Donc Federer estimait qu'Oliver il fait un erreur qui te bord parce qu'Oliver c'est son principal adversaire. Bien sûr. Il dit, déjà vite, il dit, Côte-Libé aller là-bas. À celle-là, comment il est allé? L'autre cheval qui est devant lui, Paddington Slug, lui aussi, il est sorti. Et là, Stéphane Deschanel, il a gris, qui probablement, quand il peut les coups, il dit, même Tia, il pensait, tu ne faisais pas sorti. Parce qu'il train là, tu es assez rapide à ce moment-là. Mais Fedeb, il dit, I was laughing when they moved. Maintenant, il dit, mais qui fait, tu ne pas rentrer dans le gap là. Il disait, I was happy where I was. Son principal adversaire, G.I. Joe, il a le free wide, il est au bord. Il disait, son instruction, c'est attendre inside run. Il disait, il attend inside run. Exactement. Sauf qu'il va gagner sans interférence sur Paddington, ce truc-là. Mais par la suite, il pourrait gagner sans inside run là, il rentrait. Et là, le commissaire questionne l'eau, ce vigueur dans la ligne droite. Oui, ce vigueur dans la ligne droite. Ben là, il dit, mais. Monsieur Federer, quand nous payons Gaitou, est-ce qu'il vous paye mon ça, c'est valable avec your usual vigor? Oui, moi, tu l'as. Oui. Maintenant, bon, Federer dit comme ça, bon, il paye mon accompagner ces valables-là. Il dit, ces valables-là, papa donne-lui. He's not giving me, comment dire, c'est qu'il paye envie. Expect, Et il dit, ces valables-là, paye donne-lui. Il peut arrêter de donner tout ce qu'il y a. Et lui-même dit qu'il pensait ces valeurs-là, ça part au là trop court pour lui, et puis demande plus de distance pour exprimer. Et le commissaire dit comme ça, mais qu'il fait au papier bounce. Oui, parce qu'il normalement, il a fait. Et la fois, il bounce. Énergique, le cheval, il pile dans la selle, il tape. Et donc, ça, ces valeurs-là, il n'a pas fait ça. Et là, Federer dit comme ça, il n'a pas senti le besoin. Fait ça, donc ça c'est valable parce que c'est valable papa de ligue, papa give him ce qu'il peut expect. Et lui-même dit qu'il moi quand je parle de nos carapaces derniers 100 mètres, il dit ça trois derniers coups de cravasse qu'il tape ça c'est valable. Il ne faisait pas taper ça trois derniers coups de cravasse parce que anyway c'est valable papa donne sa kick là à la fin. Donc c'est d'après Federer,
c'est valable bien un peu plus distant. Ouais, il dit, le bouton, il vous donne trois ouais. derniers coups de cravasse à la fin, il dit, c'était un nécessaire. Ouais. Parce que c'est valable, papé, donne sa kick là. Donc, selon lui. Selon lui, il n'est pas toujours capable de gagner les courses. Non, pour Ben Ophélien, ouais. non. Et sa distance, et ça est également ouais. d'accord avec lui. Mm-hmm. Et bon, Ben Commissaire Finjali, dorénavant, donc, riding a manner so as to leave no room for query. Et Vincent Allette, donc, il est satisfait. La montre sur jockey, donc il n'y a aucune sanction contre Bernard Fébillon. Non, get, les courses, une lutte les courses, soit pour venir Oui, Ramatic a fait le triplé, ça me dit. Il a fait le triplé, malheureusement, pour lui, non, get, ça les courses cloud ci de là, et juste après, nous pouvons gagner l'occasion. Écoute, soit pour venir Ramatic. C'est pas une butée un peu au départ, mais mm-hmm. c'est qui fait une jouée contre lui, vous trouvez, aux hommes, c'est l'enri, c'est une lutte, c'est Valdalé Roussa qui appelle Supreme Elevation. Oui. Qui fait une sortie lui un peu au départ, et vous pensez, probablement, c'est ça qui coûte lui la victoire, Patrice. Oui. Parce qu'il gagne batté de peu. Gagne batté de justesse. Il peut contrôler les opérations devant. Devant Supreme Elevation. Il a déjà fait un effort ici pour prendre la tête. Et il peut. Manque un peu de ressources à la fin, où vous trouvez sous la cravache, c'est voilà pour une tendance hang out. Vous trouvez dans la ligne droite finale, vous trouvez vraiment c'est plutôt un droitier, Patrice. Ouais. Il n'est pas trop à l'aise avec cravache dans la main gauche. Et dès qu'il peut arriver dans la ligne droite, même s'il finit faire ses efforts là, il est encore capable de gagner les courses après l'effort sur la partie initiale. Il tourne dans la ligne droite finale, ce cravage dans sur la main droite. Et c'est là que tu es en haut, il met le cravage dans la main gauche, mais quand il met le cravage dans la main gauche, il est sur position de la selle. Il est un peu débalancé, il est même viguer. Oui. Et vous pouvez comprendre, il est sa drive là quand le cravage dans la main gauche. Parce qu'il n'est pas habitué. Bon, il gagne quand même mérite à mettre le cravage dans la main gauche, mais il est plus un droitier. Et il perd un peu son momentum là. C'est ce qui m'a dit, vous bien comprend aussi. Hein, ou un droitier. C'est il fait ça ou il était. Bon, il paraît comme un footballeur, Patrice. Ouais. Fait comment dire, vraiment, il me pensait qu'il vient à 40 ans pour là. Ouais. Me pensait. Hein, il y a une, fait comment dire, les yeux boules, il y a une droite, d'un droitier. Ouais. À celle-là, à 40 ans, on parle de lui. Elle travaille. Travaille au pied gauche. Il peut essayer de faire lui, mais il n'est pas pour capable de faire lui comment un zen qui peut bien apprendre tout à fait. Donc, l'ingrassé, il vient battre comme ça. Hein. Donc, écoute, dans la foulée, écoute, soit ni vraiment malheureusement suspendu, et heureusement, il traverse des 100 victoires. Swapnil Rama. Swapnil, vous avez franchi la barre des 200 victoires samedi. Avant de venir à sa performance, là, est-ce que vous êtes capable de retracer quelque peu au carrière pour Manchester Fist? Bon, retracer, c'est mon game, ma première victoire avec Divan San chez Ricky Gajader. C'était ma première victoire, peut-être en 1997, si je ne me suis pas trompé. Et de là, j'ai mon premier classique avec Hector chez l'écurie Philippe Henry. Et j'ai mon deuxième classique chez Gazadeur encore avec Ready to Attack, même 16. Et j'ai mon centième victoire avec Cheval de Ville chez Partec Mervin, Prince of Wing. Et dimanche, j'ai mon deuxième victoire avec Evadeuse. Et voilà, un long parcours et très content que tu m'en arrives aujourd'hui. Et sa 200e victoire là vient avec Overdose, qui tu peux descendre dans le 0-25. Paraît-tu bien confiant en ses chances samedi? Oui, moi je suis assez confiant parce que c'est voilà, une descente catégorie. Je mets les œillets à nouveau. Et que c'est voilà, tu es bien à l'entraînement. Et il n'y a pas de faire un mauvais coup cette année. C'est voilà, tu es bien, tu gardes la forme. Et j'ai une bonne nuit, une bonne nuit. Et en une droite, on accélère bien. Avec Absolutis, ça s'est vraiment démontré que c'était un redoutable flyer, Swapnil. Comment aurait-il le sa première victoire ici? Bon, je vois un galop, c'est des liens sortis, pas de mal galopé. J'ai gagné un championnat 3 zones la dernière fois, c'est 100 mètres. Il fait une quatrième place derrière cheval de Simon John. Et cette fois-ci, il retourne un benchmark 41. Et j'ai une bonne troisième nuit. Bon, c'était si il gagne un bon départ.
Et tu n'as pas l'intérêt, tu as insisté un petit peu, mais je n'ai pas trop envie à devant, mais la façon que je suis pas galoper, je préfère insister un petit peu parce que je suis un gros gabarit. Donc là, je ne laisse pas l'intérêt à devant, il pour réduire, je pour besoin subir, je préfère prendre l'initiative à devant. Et de là, je laisse étendre, là, se fouler bien et que contrôle les coups, ça. Et en ligne droite, il reste résister bon, avec le cheval de Patrick Mama. Très malchanceux avec Cloud Seeder dans la dernière course. Selon qui nous coûte la victoire, Sopnil? Bon, c'était une jolie course. Je vais aller montrer nous qui dit nous a contrôlé un petit peu cette année. Bon, je pensais que c'était une première fois dans le 1500 mètres aussi. Mais il y a un cheval qui m'a pensé qu'il y a un jeune cheval qui peut progresser encore. Un peu malheureux parce que, comme bien dit, c'était juste la tête en bas, la tête là-haut, mais là qu'il faut pour souffler. Bon, la tête est montée, mais bon, enfin. Mais je suis content de cette performance, j'espérais qu'il continue. Le cousin Tigin m'a coaché à l'entraînement. On a eu l'occasion de montrer Slighty Scottish qui a triomphé de belle manière la fois dernière. Est-ce qu'il s'est coaché là, fin God sous forme? Exactement, il bien travaille aujourd'hui, il garde la forme. Espérons qu'il répète sur l'ego. Si vous venez la femme 0-20 là, c'est pas aussi régulier, mais m'espérer il est bien, m'espérer qu'il répète sa forme samedi. Nous remarquons qu'il peut prendre beaucoup de patience avec Bergerac, qui reste une des meilleures acquisitions de l'écurie à Marseille ou Dial. Est-ce qu'il est capable d'évoluer un peu sur sa forme actuelle? Il est malheureux, il y a une fois, il a le départ, mais il nous a retiré, mais de là, il fait le barrière trial, il passe le barrière trial, il tient les yeux hier, mais bon, c'est un cheval, il a potentiel, mais juste qu'il nous peut essayer de mettre le sur fitness bien et préparer pour ce comeback, et je pense que ce cheval-là, il peut faire un bon avenir ici. Et Moonra Sensation, on a eu l'occasion de lire mardi matin, Swapnil, vraiment un tableau. Comment vous qualifiez ce track work de mardi matin? Bon, Moonrise, il est bien, il peut travailler correctement. Il y a un cheval qui est un petit peu vieux, mais il est dans le benchmark 31, mais j'espère qu'il catch un épingle du jeu, comment nous dire, sa saison-là avec lui, qu'il est quand même loin des victoires cette année. Un petit mot sur Edge of the Sun? Jason, malheureux, il a fait un petit ça, il nous a retiré, mais cette semaine, il est pour galoper. Et il nous garde un peu fraîche. Mais il y a un cheval lui aussi, il faisait un peu tout de sa faveur. Mais si il se concentre dans sa faveur, je pense qu'il est capable de triompher lui aussi. Swapnil, un cheval qui a une montée ou une trouvée à l'entraînement et au conseil de suivre prochainement? Bon, trouver, monter, moi, PK. Trouver, moi, trouve Charles de Gazada, il amène pas mal de nouveaux. Et un qui vraiment tape de l'œil, c'est des intenses, c'est Al Braga. Un cheval qui m'a vraiment, vraiment apprécié. Et moi, ça se voit là, adapté, moi, penser pour un cheval qui est bien suivi de très, très près. Interview réalisée avant la suspension, nous trouvons encore souriant, si tu fais interview là, après il suffit que tu peux plus manquer ça. Mais voilà, d'espérer qu'il trouve Swapnil très très vite sur la piste. Nalgit Nitin, King of Tara, 3 à la suite, et ça c'est là l'année dernière, a-t-il bien fait. Après, il gagne un petit... Tu baisses de régime. Tu baisses de régime. Là, nous trouvons. Là, franchement, là, il peut donner entière satisfaction. Oui, jockey, propriétaire, ouais. Entraîné à tout là. Hein. Oui, sur 3 derniers courses, l'ingalpé, 3 à la suite. Ouais. L'ing gagné en 41, 46. Samedi, tu as Lyon 50e, avec un 8e niveau au départ. Ouais. Mais il a démontré quand même sa qualité. Et il n'est pas intimidé à ce niveau, il ouais. Remporte une belle victoire et c'est valable pour progresser les oui. Course après course. Vous avez saluer l'entraîneur qui fait un bon travail avec lui pour amener lui dans sa forme-là, ouais. Pour lui permettre de progresser. Et il y a un peu de maturité aussi, c'est valable. Je pense. Hein? Et il paraît qu'il est bien fédé, Anthony a merveille avec lui. Ben, mais il n'était pas comme ça. Oui, vous vous dites, moi, ça l'est comme ça, parce que moi aussi, je suis agréablement surpris ouais, avec sa performance. Oui, il est sorti d'un couloir extérieur, nous trouver. Il perd un peu sa gate speed, là, Patrice. Oui. Bon, il est en troisième épaisseur ici. Est-ce qu'il passe ça qui fait ces valeurs-là plus relax dans les courses? Probablement, peut-être, toi, s'il est moins tiré. Il est moins tiré, exactement. Ouais. Et là, il est toujours en épaisseur. Et là,
Oui, Fédé, il faisait prendre une décision. Il n'est pas capable de rester dans No Man's Land, troisième EPC. Et il décide. Il prend l'initiative. Il doit y aller. Ouais. Il trouve. Il attend la descente. Il attend la descente. Il va la montée. Non, il va la montée. Il va fou. Oula. À cause de ça, même pas dire où ça allait. Ça bien offre. Il est bien. Mais là, à 5 ans, quand il parle devant là, qui lui faisait faire après? Mais tranquille. Il faisait mettre un frein. Il faisait mettre un frein. Il est qui va encore tout tirer. Et comment la grosse tirer derrière? Je vais tout tirer derrière. Ouais. C'est un malin, ça, hein? Oula! Pas dîner, là, hein? Ouais, là, l'idée, c'est pas souffler. Ouais. Là, il est pas pressé, là. Vous trouvez la guette, c'est pas le tirer encore. Ouais. Là, il commence à aller. Vous trouvez? Là, il finit par prendre un petit longue et un demi-longue à l'avance. Ouais, il a allé à ce. Et là, il donne. Bon, il démarre. Ce cheval pour hang. Ce cheval là tout le temps hang. Oui, oui. Ce cravage là sur la main droite. Ouais. Et là, vous trouvez les tiens, ils sont en train. Où sa vitesse, il fait ça. Sa vitesse, qu'il fait à ça, là. Vous trouvez pas les faire, hein? Ouais. Sinon, c'est valable, fini le bord net là. Ouais, hein. Ouais. Comment il met sa cravasse dans la mégo? C'est valable, rétalé. Ouais. Et à droite. Et à droite. Ouais. Non, mais ça, c'est franchement. BNF et DF à his best. Ça, c'est BNF et DF, franchement, à his best, comme on peut dire. Et nos camarades. Brian. Brian. Ouais. Bon. Tu viens les cours samedi. Ouais, dis pas une ferme au film. Tu es déjà une ventine, j'ai vent sur la tête. Donc, mais c'est une très belle course de King of Tara. Et c'est un des man chevaux préférés, Vincent Allette, à l'écurie. Ouais. C'est voilà quand même une repos sur 6e victoire en 14 sorties ici, une place 6 5 fois. C'est un cheval très régulier. Et pas me penser qu'il dit pour 51 pour venir, c'est déjà pour lui. Ouais, mais quand même, il y a les courses difficiles quand même. Peut-être. Manière qu'il ait gagné là, mais imagine-nous, il y a une bonne ligne, il carré. Il sortit de deuxième couloir, premier couloir, troisième couloir, et qui peina front runner, il est même capable de devant, tranquille, Nikina. Ouais. Donc, nous faisons compte le King of Tara pour ses prochaines sorties. L'autre cheval qui nous fait nous plaisir, et nous oublier, signale nos camarades. Propriétaire Danny Balek, ouais. C'est Nao Fazmal qui nous fait Rai Durawan retrouve le sourire. Oui, depuis longtemps, nous battons. Parce qu'on a un moment difficile, Rai n'a pas beaucoup d'opportunités. Ouais. Patrice, et là, il y a l'occasion, enfin, semaine dernière, Abhishek, tu peux remettre la main au Rai pour donner un peu la montre. Un récit, donner un peu Rai. Samedi dernier, il est un peu malchanceux, le Man from Seattle, mais il n'a pas fini de commettre l'erreur, le Nao Fazmal, qui, bon, il est un peu malchanceux depuis le début de la saison. Oui. Là, il y a tout dans sa faveur, Blinkers à nouveau, une bonne ligne au départ. Rai finit de prendre le commandement, dirige les opérations et résister à Saint Paul et Crazy Charlie. Alors, nous avons les courses de Nao Fazmal. Ce départ, après nous avons ce dernier 400 mètres, là nous trouvons les... ouais, bien là. Hein? Bien sauté, montrer son intention pour aller devant. C'est ça. Devant Saint-Porf. Et les poils devant, Rai pour nous trouvons qu'il sonne à Ram, il connaît qu'il n'a pas fait mal, puis aller devant. Donc il n'a pas pour insister. Il n'a pas pour insister, il calme ce cheval. Crazy Charlie finit par un bon départ derrière Patrice avec le hood. Et oui, nous faisons souligner ça, hein, ouais. Crazy Charlie ne réussit sur aussi bien. Ouais. Donc, les suivent bien. Hein. Et bon, Nao Fazmal qui est un peu malchanceux sur manière les courses. Là, circonstances dans ce faveur, nous trouvons qu'il y a un moment Saint-Paul pour attaquer. Oui. Mais Saint-Paul pour tourner dans la ligne droite là, ce mauvais lipier, Patrice. Ouais. Et l'étant. Vous trouvez, le professeur Yuzoki amène complètement à l'extérieur. Et son arame, c'est pas fédé. Exactement. Ouais. Les tiens cravasses, le côté. L'infini dérive net, là, les tiens cravasses. Après 6-7 foulées, là, les gars et tiens sur cravasses. On trouvait Saint-Paul pour revenir, mais Nao Fazmal finit pour une avance décisive. Et il y a également Crazy Charlie qui finit malchanceux dans les courses à Patrice. Ouais. Parce qu'il retrouve lui derrière Al Jazeera. Al Jazeera qui a avancé aux 400 mètres. Al Jazeera qui n'a pas pu avancer, donc il récule l'eau. Bien sûr. Et il n'y a pas capable de bouger. Pas capable de bouger, il s'est enfermé. Moi, des trois Jimoun qui me joignent, je ne suis pas d'accord avec ça la monte. Sonaram le Saint-Paul. Non, mais c'est un apprenti. C'est pas ça, mon explique qui, à chaque fois, qui presque tout le temps, il dérive l'extérieur, ça c'est val là. Ouais. Donc, et comment on fait qu'explique l'identité?
Pas bien neuf, Félix. Ouais, pas qu'à comparer. Puis c'est là encore très très jeune, ça, garçon-là. Bien sûr. Oui, non, mais nous, cela n'a pas diminué le mérite. Ah non, non, non. Non, en phase mal, qui est quand même un bon cheval, ça classe ça. C'est exactement ça. Moi, je suis venu subir après les coups, je dis, moi, il y a un billet dédié à sa victoire-là. Nous profiter pour passer le message. Dédié sa victoire-là à ce petit garçon, à Atul. Okay. Qui fin à faire qui n'envole dimanche pour en Hongrie pour le faire sur ban poursuivre sur ban études supérieures. Ben voilà. Mais tout vous pensez qu'on a tout. Oui bien sûr. Les gars du bout avec lui. Oui exactement. Petit garçon bien tranquille. Les contraires Abissé qui compte encore beaucoup. un petit garçon bien tranquille qui patine sur la voie. Bien genre. Cool exactement. Il a parfaitement raison. Dit-il, nous sommes au sujet n'a cause nos camarades Richard Oliver. Ouais. Pas Damien Oliver, ça. Hein. Je sais vous laisser dire ça. Je vais vous dire ça. Non, mais pas si Richard et Damien ne pas même ça faire. C'est un mauvais gars. C'est à vous expliquer qu'il venait pas Damien Oliver. Bon. Non, nous voyons. Regarde ça. Qu'il y fait dans sa course G.I. Joe là. Qui est bien offert. Non, mais bon, regarde ça, Patrice. Nous ne pouvons pas dire ça comme ça, nous pouvons dire l'infer erreur, ouais. Mais nous ne pouvons pas capable dire qui instruction l'in gagné non plus. Si son instruction c'était des morts bonir. Bon, moi, par exemple, Rama, son entraîneur, il parle devant l'absolutisme, mais lui, il s'est vicieusisme à un moment dans les courses, il n'a pas le devant. Est-ce qu'il, d'après vous, ouais. Allez, est-ce qu'il, d'après vous, l'in suit instruction Samrat? Non, mais moi, j'ai une question. Mon pas connaît, parce si, que... Si tu suis l'instruction Samras, il faut monter samedi. Oui. Possible. Ouais, on a le point. Mais là, il va finir à aller, non? Oui, non. Là, enfin, il y a encore Boris. Il y a encore Boris, mais pas pour monter. Ouais. Il finit gagner sur feuille de route. Donc, Bernard Fédier, même petit peu... Enfin, well, I was laughing in here when he moved. Tout fait, là? Ouais. Ça veut dire... C'est pas moi qui peux dire ça. En créole, moi, tu peux rire. Ouais. Ah, c'est pas comme ça, tu peux rire, lui. Non. Il dit tu peux rigoler. Oui, mais parce qu'il kiffe, Patrice. Ouais. Get ça, ou mon principal adversaire, il les couche plus vite. Ouais. Paddington, c'est là qu'il mettait avec Absolutis depuis le début. Et Absolutis, il y a une cheval 540 kg, il n'a pas dans les courses. Ouais. Et là, Paddington, c'est là qu'il est deuxième position, G.I. Joe, troisième position, le bord, Moschino, quatrième position. Mais il reste la même. S'il reste la même. Il bloque Moschino, premièrement. Moschino, derrière lui. Et il prend Inside run parce qu'il pas Paddington pour attaquer un certain moment. Bon, un moment bon, moi on sait Patrice qui est capable de jouer qui fait une fille, c'est réfléchi qui fait les bouger. C'est un cheval qui galope sur avant le dernier les courses au 1850 mètres. Ouais. Il dit si Absolutis pour réduire les courses, hein, vous comprenez? Il n'est pas pour capable d'accélérer. Il n'est pas pour capable il sprinter. Donc les bizarres sorti y aller. Sauf qu'il quand il sorti y aller, Tia sorti en même temps. En même temps et carry est. Him wide. Ouais. Et c'est un cheval qui... Nous reggaet ça, écoute bien. Ouais. Parce que là, Nitin, nous trouvons une finie sorti. Ouais. Ça veut dire depuis 1000 mètres. Nitin a l'opportunité pour un ball là. Oui. Derrière Paddington Slug. On voit. Là, il y a lui. Mais quand il y a lui. Ben normal, qui a sorti, pas qu'à l'estier. Là, à partir de 600 mètres, il est free wide. Ouais. Vous comprenez? Il est free wide, plus c'est dans combien de mètres. C'est dans moins de 2 mètres full. Ouais. Bon, là, il a taille. Bon, dans la ligne droite, il passe devant, Patrice. Il passe devant, bon, d'accord, il passe devant. Mais ce cheval, il a une tendance pour hang in. Ouais. Bon, il est encore devant à ce stade, il peut essayer de redresser. Ouais. Vous comprenez? C'est pas là, réallant. Vous comprenez? Mais Absolutis, Révin Loli. Mais quand même, les temps nous réguent ça là, et les types bizarres gagnent les coups ça quand même. 0.0D à l'arrivée, ouais, hein? C'est ça, les types bizarres gagnent les coups ça quand même. Là, nous trouvons que c'est là comme vers l'extérieur. Mais Absolutis aussi, Absolutis aussi, suivre lui. Ouais. Il est capable, il est en compagnie, bien, Absolutis. Non, c'est là, un Zen Seval. Un Zen Seval, donc il est costé. Et nous trouvons l'état, il est costé avec G.I. Joe. Il révine le G.I. Joe. Hein. Ouais. Donc, allez, nous mettre bénéfice du doute,
nous pas condamné. Nous pas condamné, nous sommes prendre plaisir parce que. Ouais. Parce que je veux dire pas Damien ne livre ça. Ouais. Mais quand même moi là ça les courses là. OK. Mais là les courses peut-être là les courses Juniper Lane pas d'accord. Non, mais ça Patrice. Oui. Ce c'est pas une bouquet ça. Pas d'accord, mais c'est moi qui ai une excuse là aussi. Allez, pas me défendre, mais il y a une excuse. Ce c'est pas l'honte de pas. Ouais, mais justement. Un c'est pas comme ça, nous trouvons les sorties. Ou comme les courses, les galopés, et les finales. Sur quatrième les courses, les galopés. Sur quatrième les courses, les galopés. Dans ce trois les courses avant. Ouais. Les comédiens ont une physique quand ils sortent. Ouais, mais là, ils n'ont pas sorti aussi vite. Hein. Justement. Mais ils ont un premier couloir. Ouais, mais Patrice, c'est pas là, papa, ils sont mais là, si Dancing finit vite devant lui. Ouais, mais là, il peut reprendre ces valles-là. Vous comprenez? Mais ces valles-là, c'est un. Sur la fausse et sur vitesse. Bon. Qui vous dit, tu faisais insister peut-être. Non. Moi, je pensais qu'il finit perdu sur les courses. Non, là, les courses, il finit, mais à cause de ça, que me dit, on n'est pas capable d'amener ce cheval sur le champ. Mais, sorry, si vous mettez. Oui, là, il peut laguer au cheval-là, parce que ce cheval-là, il peut réduire devant, il peut tirer. Et quand il retourne, ce cheval-là, je ne connais pas parce qu'il trop attrape ce cheval-là, mais ce cheval-là, il a une trace de sang dans ce tracé. Ok. Donc, là, c'est valable. Oui, mais quand on a une cheval comme ça, on va où? Oui. Ou obligé de faire des points de bon départ. Bon, d'accord, où? Au moment là? Oui. Mais là, non. Les coups, c'est fini. Les coups, c'est fini depuis le départ. Le départ, 50 mètres après le départ. Les temps, c'est pas mettre devant. Ouais. Donc, il nous trouve. Sidens. Sidens mettre devant. Et Sidens, il dit, gars, tranquille. Oui. Parce que Juniper Lane, même Molo, on n'a pas d'ailleurs. Ouais. Donc, là, il a. Mais ça ne peut pas dire quand on a un cheval comme ça, on vient concentrer le départ, là. Non, moi, c'est sûr. Si un cheval comme. Allez, si Crazy Charlie, il découlera le départ. Ouais, on vient concentrer pour un bon départ. Mais ça n'a là. Ça n'a là, on connaît ou bizarre devant. Ouais. Mais, sorry. Non, là, ça ne nous connaît pas, faute cheval là aussi, Patrice. Enfin, on ne peut pas dire. Allez, nous. N'arrête ça là. Dit-il, bon, nous finissons pour le débrief de la 16e journée. Nous avons un coup qui peut être la 17e journée. Nous avons avec le Guy Démarré Cup. Nous pouvons des chevaux comme Waltak, Tupis Express, Ailer ou encore Fools Gold. Qui nous peut expecter ça, les courses? Moi, les courses qui s'annoncent très disputées. Waltak, il me perdit quelques points. Si à l'échelle de valeur, parce qu'il y a 7 ans, c'est pas 8 ans, on va voir le 1er août. Donc, il peut galoper dans une catégorie inférieure. C'est valable, pas fini de bousculer à l'entraînement. Auparavant, il s'est bien travaillé avec Twist of Fate. Il est dans une bonne condition. Hier, il est allé sortir pour le travail, Patrice, il est tombé dans le paddock. Il dit, ben en fait, tu as blessé, mais heureusement pour lui, okay. Il n'est pas une. Donc, ni cheval, ni cheval, ni jockey. Ouais, il fait une remontée. Okay. Fidèle, c'est solide, ça. Hein. Ouais, il remonte en place, c'est bien solide. Mauvais guépi, l'autre fois là, enfin hier. Ouais, on doit se. Il y a beaucoup de monde qui se. Fitness, mais bon, papa, il y a aussi un jockey qui vient bien sûr. Solide, maman. Ouais. Bien libre. Mais il est dans le gym tous les jours. Ouais. Oui, quand il est sur Kazakh. Il a gonflé. Bien sûr. Mais là, mon tour. Il a le pectoral là. Pectoral. À cause de ça, quand il drive là, quand il monte, c'est pas le truc. Ouais, il a deux. Moment. Ouais. Franchement, il est assez impressionnant quand on trouve lui. Le matin, Benoff et Deb. Nous avons le cheval encore pour nous le quitter dans l'entraînement. Nitin, Tripis Express par exemple. Tripis Express, ce dernier coup, c'est un niveau supérieur, où la concurrence est un peu rude. Mais à ce niveau, c'est un cheval très compétitif qui nous a galopé une jolie course depuis le début de la saison. Patrice, cheval encore bien. Avec Rai, je pensais que Rai pourrait entendre bien avec ça, c'est valable, Patrice. D'accord. Et donc, il bien travaille, on a l'impression. Non, il bien travaille. Ouais. Déjà, il est déjà très bien quand il galope sur les courses contre Undercover Agent. Mais les courses, enfin, Undercover Agent, tu vois là, à un autre niveau. Il n'est pas un fin chien classé. Là, en cette compagnie, il est capable de tirer sur l'épingle du jeu si les bonnes circonstances de se faire.
victorieux à sa dernière sortie, il est surprenant nous. Oui. Enfin, surprenant nous. Parce qu'il est outsider. Mais il nous a fait encore une fois attention à oui, là. Il est plus la saison, oui. Plus il a galopé. Plus il vient bien. Plus bien. Exactement. Et il est très bien actuellement. Mm-hmm. Nous trouvons ici, il est dans une très bonne condition. Parce que c'est un gros gabarit. Oui, c'est ça. Comprend. Plus il a galopé, plus il vient bien. Mais nous trouvons ça. Ça c'est très, très bien. Et là, elle peut encore allonger pour plus de sur l'avantage. Ce dernier course, il fait une super jolie course. Jolie course. Et puis, nous vous terminons nous la tournée avec les chances de. Enfin, les chances. Ouais. Nous cause Fool's Goal, comment il comporte-t-il dans l'entraînement et... Une très bien travail à l'intérieur de Avdic Mardi. Mm-hmm. Ce dernier des courses, bon, il y a des courses, il y a le devant, il nous a fait un 6 efforts pour aller devant le 1850. Peut-être qu'il peut retourner un peu vite après ça, les courses, hein, mais bon. Ouais. Peut-être pénaliser les courses pour lui après. Mais ce qui est cher, ce qui peut encore réduire plus de son avantage, Patrice, c'est s'il y a une bonne année, il est capable de faire. Est-ce que ça catégorie ces vals-là, mais il est plus compétitif pour lui? Bon, déjà la dernière fois, ouais. Dans son pénal 4 ans, il tient à tout ce sens. Il tient à être Rated Rose dans les courses. Exactement. Mais bon, je pense que 1850 peut-être un petit peu long pour lui. Et le fait qu'il ait fini taquiner un peu sur la partie initiale pour Herbul, ça n'a pas fini de jouer contre lui. Mais là, le 1500 mètres, s'il gagne sur Fleet, s'il gagne une bonne ligne pour lui capable de gagner sur Fleet, il prend tout ce sens. Ben voilà, chers amis, merci Nitin. Plaisir. Quand nous faisons un joli débrief sa 16e journée-là, nous relaxons des jours. Après, samedi, nous attaquons la 17e journée. Bien sûr. Chers amis, merci beaucoup de l'attention. Nous donnons notre rendez-vous samedi pour la 17e journée. Passer ces quelques jours-là, programme est sorti. Et moi, je donne notre rendez-vous vendredi aux côtés de Nassib pour Turf Time. Merci et à très vite.